On reste à la Commission nationale autonome, Sénat, qui a donc dans l'après-midi de ce jeudi procédé à la remise d'un 20% restant du financement public des partis politiques au titre de l'année 2020 aux formations politiques UPBR et FCBE. Les précisions avec Aziza Chamou. Des responsables des partis de l'Union progressiste, du Bloc républicain, puis des forces Kori pour un Bénin émergent reçoivent ce jeudi 14 janvier 2021 les 20% restants des fonds destinés au financement de leurs formations politiques respectives, et ceci conformément au texte en vigueur. En application de la loi 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques en République du Bénin et en application aussi du décret 2020-362 du 22 juillet 2020 portant sur le financement des partis politiques au titre de l'année 2020, nous avions procédé en ces mêmes lieux le 5 novembre 2020 à la remise des chèques aux partis politiques éligibles à hauteur de 80% du montant auquel chacun d'eux a droit. À cette occasion, nous vous avions annoncé que les 20% restants vous seront remis dès lors qu'aucun recours devant les juridictions appropriées ne serait élevé contre la répartition effectuée par la Sénat. Étant donné que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas enregistré une contestation sur cette répartition, nous avons décidé, comme nous l'avions annoncé, de vous remettre ce jour 14 janvier 2021 les 20% restants qui vous sont dus. L'occasion est aussi saisie par Emmanuel Tiando pour appeler les responsables des partis concernés à une gestion judicieuse des fonds octroyés. Je rappelle à cette occasion que les recommandations que nous avions formulées concernant la gestion de ces fonds, eh bien, que ces recommandations restent de mise pour vous éviter de vous retrouver devant des structures qui sont chargées de vérifier comment l'argent public est utilisé. Nous vous souhaitons une bonne chance pour les prochaines élections qui arrivent très très bientôt. Motif de satisfaction, mais aussi de reconnaissance pour le représentant des formations politiques bénéficiaires. Nous venons de recevoir les 20% restants, c'est-à-dire 25 800 000, par rapport au montant alloué aux partis politiques, conformément à la charte des partis politiques et le code électoral. Le parti FCBE devait recevoir 129 millions. En novembre, nous avons reçu 103 millions. Donc nous sommes venus prendre ce soir, 14 janvier 2021, le reliquat, soit 25 millions, 420% du montant total. C'est l'occasion pour moi de remercier la Sénat pour le rôle qu'elle joue dans l'accompagnement des partis politiques pour animer les activités des partis politiques sur le terrain. Nous sommes très satisfaits de ce montant parce que ça nous permettra de faire face à l'installation des structures d'arrondissement à la base. C'est l'occasion pour moi aussi de dire merci au gouvernement pour l'effort qu'il fournit parce que ce n'est pas facile de mobiliser les ressources en ces temps qui sont durs. Il y a les investissements à faire dans le pays, mais malgré ça, ils pensent aux partis politiques pour leur fonctionnement, c'est déjà un pas.